السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم من جديد على قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية. درس اليوم يخص العبارات والجمل الأكثر استخداما في الحياة اليومية، وسنبدأ حالا مع أول جملة. لا ينبغي لهذا أن يحبط عزيمتك. بالفرنسية سنقول Ça ne devrait pas vous décourager. Ça ne devrait pas vous décourager. Ça ne devrait pas vous décourager. هنا استخدمنا الفعل devoir مصرف le conditionnel présent. Le conditionnel présent أو المضارع الشرطي. جملة أخرى أنصحك بالاستماع إليها أو بالاستماع إليه. بالفرنسية سنقول Je te conseille de l'écouter. Je te conseille de l'écouter. Je te conseille de l'écouter. هنا استخدمنا الفعل conseiller وقد جاء مصرفا للحاضر le présent de l'indicatif. Je te conseille de l'écouter. جملة أخرى اتبع نصائحه حرفيا. بالفرنسية Suivez ses conseils à la lettre. Suivez ses conseils à la lettre. Suivez ses conseils à la lettre. استخدمنا هنا الفعل suivre. suivre يتبع جاء مصرفا للأمر. Le présent de l'impératif. هنا جملة أخرى لقد اتبعت نصائحك. بالفرنسية سنقول J'ai suivi tes conseils. J'ai suivi tes conseils. J'ai suivi tes conseils. هنا استخدمنا الفعل suivre يتبع جاء مصرفا للماضي المركب le passé composé. جملة أخرى إنها لا تستمع لأحد. بالفرنسية Elle n'écoute personne. Elle n'écoute personne. Elle n'écoute personne. هنا لدينا الفعل écouter. écouter مصرف للحاضر le présent de l'indicatif. جملة أخرى إنها عنيدة. بالفرنسية Elle est têtue. Elle est têtue. Elle est têtue. هنا لدينا الفعل être يكون جاء مصرفا للحاضر le présent de l'indicatif. Elle est têtue. يمكن أيضا أن نقول هي تفعل ما تريد. بالفرنسية Elle n'en fait qu'à sa tête. Elle n'en fait qu'à sa tête. Elle n'en fait qu'à sa tête. هنا استخدمنا الفعل faire الذي جاء مصرفا للحاضر le présent de l'indicatif. جملة أخرى يتجاهل الحقيقة. بالفرنسية Il ignore la vérité. Il ignore la vérité. Il ignore la vérité. هنا استخدمنا الفعل ignorer. ignorer الذي جاء مصرفا للحاضر أيضا le présent de l'indicatif. يمكن أن نقول يتجاهله عمدا. بالفرنسية سنقول Il l'ignore exprès. Il l'ignore exprès. Il l'ignore exprès. أما إذا أردنا أن نقول لا أعتقد أنه عن قصد. بالفرنسية Je ne pense pas que c'est fait exprès. Je ne pense pas que c'est fait exprès. Je ne pense pas que c'est fait exprès. جملة أخرى أنا أشعر بالحزن. بالفرنسية Je me sens triste. Je me sens triste. Je me sens triste. هنا استخدمنا الفعل se sentir. se sentir c'est un verbe pronominal. هذا فعل ضميري وقد جاء مصرفا للحاضر le présent de l'indicatif. Je me sens triste. لا تكن حزينا. بالفرنسية Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. هنا الفعل être يكون جاء مصرفا الأمر l'impératif. عبارة أخرى هذا نادر بالفرنسية c'est rare. C'est rare. C'est rare. جملة أخرى إنه نادر في عصرنا أو هذا الأمر نادر في وقتنا الحالي. بالفرنسية سنقول C'est rare à notre époque. C'est rare à notre époque. C'est rare à notre époque. جملة أخرى هؤلاء الأطفال لم يتلقوا التربية الحسنة. بالفرنسية سنقول Ces enfants sont mal élevés. Ces enfants sont mal élevés. Ces enfants sont mal élevés. جملة أخرى إنها تحتاج إلى إجازة أو إلى عطلة. بالفرنسية Elle a besoin de vacances. Elle a besoin de vacances. Elle a besoin de vacances. إذا أردنا أن نقول ذهبت لقضاء العطلة بالفرنسية Elle part en vacances. Elle part en vacances. Elle part en vacances. هنا استخدمنا الفعل partir. Partir يذهب وهو مصرف للحاضر le présent de l'indicatif. جملة أخرى ذهبت في إجازة إلى باريس. بالفرنسية Elle est partie en vacances à Paris. Elle est partie en vacances à Paris. Elle est partie en vacances à Paris. هنا الفعل partir جاء مصرفا للماضي المركب le passé composé. إذا أردنا أن نقول الأطفال بحاجة إلى إجازة أو إلى عطلة بالفرنسية Les enfants ont besoin de vacances. Les enfants ont besoin de vacances. Les enfants ont besoin de vacances. جملة أخرى العطلة قريبة بالفرنسية Les vacances arrivent bientôt. Les vacances arrivent bientôt. Les vacances arrivent bientôt. هنا استخدمنا الفعل arriver. Arriver تصل أو يصل جاء مصرفا للحاضر le présent de l'indicatif. هنا جملة أخرى أنا مستعدة للذهاب بالفرنسية Je suis prête à partir. Je suis prête à partir. Je suis prête à partir. أما إن أردنا أن نقول نحن نستعد للسفر أو للرحلة بالفرنسية سنقول On se prépare au voyage. On se prépare au voyage. On se prépare au voyage. جملة أخرى سننتقل إلى منزل كبير. بالفرنسية On va déménager dans une maison grande. يمكن أيضا أن نقول On va déménager dans une grande maison. On va déménager dans une grande maison. On va déménager dans une grande maison. جملة أخرى سينتقلون إلى مدينة أخرى بالفرنسية Ils déménageront dans une autre ville. Ils déménageront dans une autre ville. Ils déménageront dans une autre ville. هنا استخدمنا الفعل déménager. déménager ينتقل جاء مصرفا للمستقبل البسيط le futur simple. Ils déménageront dans une autre ville. جملة أخرى أردت أن أجرب حظي بالفرنسية J'avais envie de tenter ma chance. J'avais envie de tenter ma chance. J'avais envie de tenter ma chance. هنا استخدمنا الفعل avoir الذي جاء هنا مصرفا لزمن الماضي الناقص أو l'imparfait. L'imparfait. J'avais envie de tenter ma chance. هنا نكون قد وصلنا لنهاية درس اليوم. إن استفدتم منه لا تنسوا دعمنا بضغط زر الإعجاب. دمتم بألف خير وإلى فيديو قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.